Anne Romanoff. Hier soir, c'était le dernier délai pour l'APB. APB. APB. Admission ouais. Post-bac. Ah, oui. Ça concerne 850 000 ados qui ont pris le chou à 1 600 000 par an. Maintenant, quand t'as 17 ans, tu dois rentrer tes vœux de poursuite d'études sur Internet. C'est un système très simple. C'est écrit « Vos demandes seront traitées dans l'ordre de vos vœux. Mieux vaut donc lister en premier les formations qui vous intéressent le plus, même si elles sont plus sélectives. » Oh là là. Vos demandes seront traitées dans l'ordre de vos vœux. Pour un ado, dans l'ordre, ça donne... Alors, mes vœux, un iPhone 7, la nouvelle console Nintendo Switch. Alors, une fois que l'élève a formulé ses vœux sur le site APB, il doit... rédiger une lettre de motivation. Demander à un adolescent de rédiger une lettre de motivation, c'est un peu comme demander au cardinal Barbarin de rédiger des nouvelles érotiques. C'est pas forcément sa matière de prédilection. Non, mais vous imaginez le cauchemar pour les parents? Mon chéri, il faut que t'écrives une lettre de motivation pour rentrer dans ton BTS électronique. Une lettre des lettres, il y en a déjà plein l'alphabet. Une lettre de... Oh là là, mais quelle tâche. Une lettre de motivation. Il faut que tu te présentes, que tu expliques ce que tu aimes. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie, à part te plaindre et te gratter le caleçon. Alors déjà, tu le dis pas à l'antenne. Je sais pas, moi, un peu de tout. Et en même temps, rien de précis. Je sais pas, dormir, ça compte. Tout est rien, mais c'est comme Macron. Là-bas aussi, il y a un peu de tout et rien de précis. Ah si, non, il y a un truc qui me plaît. Les anges de la télé-réalité, parce que les meufs, elles ont l'air bonnes. Bon, alors, écris. Curieux de tout, je m'intéresse au monde qui m'entoure, notamment aux émissions de télévision. Désireux de m'intégrer dans la vie professionnelle rapidement, j'aimerais postuler à votre BTS. Il y a un Z à désireux. Mais il demande aussi un curriculum vitae en plus. Un cuniculum. C'est un hashtag sur YouPorn ça. Mais mon Dieu, qu'il est con, dirait son père. J'aurais pas dû boire ce verre de vin pendant ma grossesse. Un CV, attends, c'est pas logique leur truc, maman. Je dois faire des études pour trouver un travail et eux, ils me demandent quel travail j'ai fait pour pouvoir faire des études. Eh ben, c'est comme ça en France. C'est comme ça. Quand tu chercheras ton premier job, on te demandera d'avoir déjà de l'expérience. Quand tu iras à la banque pour emprunter 5000 euros, ils te demanderont si tu as 5000 euros de garantie. Alors qu'est-ce que tu as comme expérience professionnelle? T'as un petit job? T'as quelque chose? Papa et toi, vous me filez de l'argent de poche. Non, mais en échange, on te demande quelque chose quand même. Oui, oh, vous me demandez d'aller chercher le courrier, classer des papiers, ranger des trucs. Ah bah tu sais ce qu'on va mettre sur ton CV? Expérience d'attaché parlementaire. Si ça marche pour Pénélope, ça devrait marcher pour toi. Ouais, trop bien, merci de m'en. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.